Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Amira Ketal, bienvenue sur Alta TV. Aujourd'hui, nous allons parler du GRITI, le groupe de recherche sur l'intertransculturalité et l'immigration. J'ai à mes côtés le professeur Paula Mulatrice. Professeur Mulatrice, bonjour. Bonjour Amira. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Donc, Monsieur Mulatrice, vous êtes professeur de philosophie et de sociologie au campus Saint-Jean et vous êtes également co-directeur du GRITI. Oui. Au fond, initialement, j'enseignais la philosophie, mais maintenant, je n'enseigne plus que la sociologie. Ah, d'accord. Et le groupe de recherche de GRITI, on était deux. Il y avait un co-directeur, mais depuis quelques temps, il s'est retiré. Je suis le seul directeur maintenant. D'accord. Donc, si vous nous parliez un peu du GRITI, de votre mission, de sa quidité. Le GRITI a été créé depuis 2011. Mm-hmm. La mission, c'est d'essayer de semer dans la communauté des idées qui permettent aux citoyens, aux individus, aux communautés de se rencontrer au-delà des barrières culturelles. D'accord. Et ceci nous amène à parler de la transculturalité, c'est l'idée qu'il y a derrière. Peut-être qu'on reviendra dessus un peu plus tard. D'accord. Justement, si vous nous donniez donc une définition claire de la transculturalité. Au fond, je sais que c'est un mot un peu difficile. Quand on en parle, les gens se demandent, c'est quoi la transculturalité? C'est assez complexe, mais j'explique ça aux gens en décomposant le mot « trans » et puis « culture ». Ça veut dire aller au-delà des cultures. Parce qu'on peut voir les cultures de deux façons. Parce que les cultures sont les lunettes qui nous permettent de voir les autres. Que chacun a une culture. On voit à travers nos cultures. Mais, pardon, les cultures peuvent aussi être des limites qui nous empêchent de rencontrer l'autre. Parce que ça devient comme des carcans, des murs que nous dressons autour de nous, qui ne nous permettent pas de vraiment aller vers l'autre, lui parler de ce que nous sommes, ou peut-être bâtir un monde commun. Donc l'idée de la transculturalité, c'est de dire, ok, considérons nos cultures comme des leviers sur lesquels on peut se poser pour aller au-delà de nos cultures, imaginer la diversité autrement que dans nos propres cultures. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. D'accord, merci. Mm-hmm. Et donc, professeur Mulatrice, d'où vient l'idée de création du GRITI? C'est une expérience qui est à la fois, je dirais, un cheminement qui est à la fois personnel et communautaire. L'immigration en Alberta, c'est un phénomène qui remonte au début des années 80, par peut-être quelques nombres. Je veux parler sur l'immigration, la vague qu'on a connue en 2006. Elle a existé, mais sous sa forme nouvelle, particulièrement l'immigration des souches francophones, des souches africaines ou est-asiatiques, est très très récente. Les communautés n'étaient pas préparées à cette arrivée massive de nouveaux arrivants. Du coup, il y a eu comme un sentiment d'impréparation. Les gens se sont dit, comment faire face à cette nouvelle réalité? Les enjeux nouveaux sont arrivés. Quelles sont leurs cultures? Comment leur parler? Comment bâtir un monde nouveau francophone? Parce que n'oubliez pas, comme je l'ai toujours dit, si dans le temps, le discours de la survivance caractérisait les communautés francophones en situation minoritaire, il fallait survivre, résister. Mais aujourd'hui, la survivance a pris la forme de l'immigration. C'est l'immigration qui vient revitaliser d'une certaine façon les communautés qui étaient en perte de vitesse sur un plan démographique. Du coup, à partir de ce moment-là, on commence à se demander comment bâtir ces communautés-là. Donc le GRITI est là comme un outil, comme on peut appeler la levure, hein, quelque chose qui veut un peu aider les gens à se rencontrer, à bâtir des relations nouvelles. D'où, à partir de ce moment, on s'est dit, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis, peut-être que les gens n'arrivent pas à adresser. Donc, il fallait aborder ces questions-là de deux points de vue. Le point de vue théorique, qui est celui de la recherche. Cette recherche existe, mais peut-être qu'elle n'était pas basée sur les communautés d'ici. Mais aussi le point de vue pratique, qui est de voir quelles sont les pratiques dans les communautés, essayer de marier les deux pour une communauté nouvelle. Yeah. Et donc, vous êtes combien de personnes à travailler sur ce projet? Le GRITI, initialement, comme je l'ai mentionné, on était deux, un collègue Paul Dubé et moi-même. On a fonctionné ensemble jusque récemment où il a pris sa retraite. Donc, nous, on était là juste comme on dressait la table. Mais tous les professeurs du campus Saint-Jean, tous les membres de la communauté qui ont des projets sont les bienvenus. Nous collaborons avec tout le monde. À date, on a organisé deux colloques. Et dans ces colloques-là, il y a eu des personnes qui venaient de la communauté, du milieu de la recherche. Mais peut-être d'ailleurs aussi, le dernier colloque, on a eu des gens qui sont arrivés d'Afrique, de l'Europe, de tous les Canada, qui sont venus participer. Donc tout le monde est le bienvenu à cette plateforme-là. Mm-hmm. Et donc, comment allez-vous implémenter et rendre pratique ce modèle, et notamment dans le cas de la communauté albertaine? C'est une très bonne question que vous me posez. Parce qu'il y a deux façons de voir le travail que nous faisons. On peut voir ça comme un travail de surplomb, un travail qui est au-dessus, qu'on veut imposer sur les gens.
Tout comme on peut voir ça comme un travail qui remonte de la base vers le haut. Mm-hmm. Moi, je préfère prendre la deuxième perspective. C'est pas que nous allons implémenter. C'est que comment est-ce que nous pouvons accompagner la communauté à travers nos réflexions dans ce processus-là. Ce n'est pas un processus théorique, c'est un processus qui est pratique. Ça rejoint tout le monde au travers de tous les jours. Et notamment, peut-être, je reviendrai sur ce qui se fait sur ce plateau-là. C'est un travail de construction communautaire qu'on est en train de faire, où on a notre vision de communauté qui était inexistante dans les médias, qui viennent trouver une petite fenêtre à travers laquelle ils peuvent exprimer leurs idées, leur culture, mais aussi permettre à l'autre de connaître. Parce que je pense que dans nos rapports sociaux, ce qui pose problème en général, c'est des préjugés. C'est des préjugés. Comment vaincre les préjugés si on n'arrive pas à parler à l'autre? Notre travail, c'est de dire, OK, on peut se parler. On peut aller dans les institutions qui ont existé depuis longtemps, commencer à questionner ce qui existait comme des acquis. Pas seulement du point de vue de la communauté d'accueil, mais du point de vue des nouveaux arrivants aussi, qui, comme quelqu'un le disait de façon très ironique, ont un bagage. Comment est-ce qu'on peut déballer ce bagage-là, voir ce qu'il y a dedans, et qu'est-ce qu'on peut en retirer pour une communauté nouvelle? Donc, pour répondre, faire bref à ta question, c'est de dire qu'en fait, le travail, c'est pas un travail d'en haut, c'est un travail de tout le monde, un travail de questionnement de tous les jours, et je pense qu'on le fait au jour le jour. D'accord, merci. Oui. Donc, professeur donc Mulatrice, il y a eu auparavant plusieurs tentatives voulant mettre en place la transculturalité comme modèle social. Mm-hmm. La plus connue étant celle du magazine Vice Versa, qui même après 20 ans de discussion et de débat, n'arrive toujours pas à définir, à donner une définition claire de la transculturalité. Donc, comment expliquez-vous cet échec et qu'est-ce que vous allez faire pour y remédier? Si je prends le titre du magazine comme ta Vice Versa, c'est une vision à l'envers. Okay, on pourrait dire Versa Vice aussi, hein, on inverse. Peut-être c'est ça qu'on aimerait, c'est de renverser. Mais peut-être que le magazine lui-même n'était pas suffisamment imprégné de sa dynamique pour aller vers là. Si le magazine avait conçu cette démarche-là comme quelque chose qu'on imposait, ça ne se passe jamais comme ça. C'est des rencontres de tous les jours. C'est une remise en question. Moi, je pense que la rencontre que nous opérons tous les jours avec l'autre nécessite un questionnement d'abord sur soi. Alors, chez nous, il n'y a pas la prétention de dire « voici un modèle, et puis on a réussi, prenez-le, adoptez-le ». Non, non, je pense que si on fait ça, on fait fausse route. La prétention que nous avons, c'est une prétention d'abord très humble. C'est de dire qu'il est impossible de voir des gens vivre dans un même environnement, d'aller, de participer aux mêmes organismes sans avoir des imaginaires collectifs. Quand je dis imaginaire, ça signifie un idéal vers lequel tout le monde aspire, mais qu'on atteint presque jamais, parce que le questionnement est toujours là. Il est toujours là. Et moi, je pense que nous y arrivons déjà. Je vais prendre un cas très pratique. Si vous allez dans les milieux scolaires, pouvez-vous imaginer qu'il y a 10 ans, il y avait presque zéro enfant issu de l'immigration africaine dans les écoles, l'école francophone albertaine. Maintenant, la moyenne est à peu près de 35% d'élèves dans les écoles francophones urbaines. Il y en a qui vont jusqu'à 90% d'élèves issus de l'immigration. Alors, de quoi sera faite la société albertaine de demain? Dites-moi. Ça sera fait de ces gens-là. Ça sera fait de ces gens-là. Et donc, il faudrait qu'on arrive à comprendre que ces gens ne sont pas là pour passer et partir. Ils transforment la société du fait de leur présence. Okay? Il y a des rapports nouveaux qui se tissent, la façon de parler à l'autre qui change. Et donc, si on adopte cette perspective-là, je pense que la démarche vice-versa pourra prendre un autre cheminement que celui qui a été pris d'habitude, qui était un cheminement d'imposition. On n'impose pas. On n'impose pas. Ça rejoint un peu la réponse que je donnais à la première question. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, quelle est la vision à long terme du Gritty? Est-ce que ça serait donc de mettre en place un modèle basé sur la transculturalité qui serait exportable à l'échelle mondiale, par exemple? Ok, j'ai peur du mot exportation. Parce qu'il ne s'agit pas ici de saucissons ou du fromage qu'on va amener de la France ici. Ce n'est pas ça. Je vois ça plutôt comme des pratiques qui peuvent être inspirantes. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ça veut dire que ce sont des gens qui agissent au quotidien et qui, par leur façon de faire, changent la façon de vivre d'autres personnes. Moi, personnellement, comme chercheur, je vais être honnête avec vous. Je pense que s'il y a un grand défi pour les nouvelles communautés, c'est d'abord le défi de la jeunesse. Parce que si vous parlez dans toutes mes recherches, si vous vous interrogez les immigrants, vous diront qu'ils sont venus ici pour leurs enfants. Okay? Donc, et même la politique canadienne d'immigration, quand ils acceptent les gens qui arrivent ici au Canada,
c'est pas d'abord pour la première génération, peut-être pour l'immigration économique. Mais si vous regardez, par exemple, la nouvelle immigration africaine, elle est essentiellement à caractère humanitaire. C'est en général des réfugiés, les regroupements familiaux. Pourquoi est-ce que le Canada va les prendre? Parce qu'on pense qu'il y a des jeunes qui peuvent arriver ici, qui vont prendre la culture canadienne et qui vont rester définitivement. Notre vision, à nous, pour répondre à votre question, c'est de dire qu'on ne peut pas accepter cette idée-là en pensant que ces gens qui arrivent sont des passagers clandestins. Okay? Je prends le terme d'un sociologue. C'est-à-dire des gens qui sont là dans un bateau sans qu'on le voie, mais qui vont quand même à destination. Ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui sont là au jour le jour, qui interagissent. Comme je l'ai dit, qui sont dans les milieux communautaires, qui ont créé, il y a des églises qui ont été créées, il y a des écoles qui sont là, il y a des organismes qui sont là, il y a des institutions, plein d'institutions. Si vous regardez, par exemple, le milieu, je veux dire, de la santé, 70% de la main-d'œuvre dans le domaine de la santé est immigrante actuellement. Si vous allez voir, ça change quelque chose. Ça change la vie, peut-être, d'un aîné qui, un temps, ne voyait qu'une main blanche pour soigner, mais qui doit s'habituer à avoir une main noire, par exemple, pour soigner. Ça change toute la perspective. Et notre imaginaire, à nous, c'est de dire que ça ne doit pas être de 20 mots. Il faut un imaginaire de la diversité. C'est-à-dire que les gens comprennent que la diversité, ce n'est pas un mot qui est dans un dictionnaire, mais c'est le vécu quotidien des gens. Évidemment, on n'atteindra pas ça à 100%, mais on espère y arriver au jour le jour à travers la stratégie des petits pas. Chaque jour, un petit pas. Au bout de quelques temps, ce sera peut-être un grand pas. Je voudrais vous remercier d'abord, Amira, et toute l'équipe qui m'a accueilli aujourd'hui, parce que dans tous mes travaux de recherche, j'ai constaté, et tous les chercheurs le disent, que les enjeux de relations entre les populations trouvent leur naissance dans les médias, parce que c'est le média qui perpétue les stéréotypes. En ouvrant cet espace à la diversité, je pense que c'est un pas très important qui peut permettre aux gens de se connaître l'un l'autre, mais aussi de briser les tabous dans les rapports entre les individus. Et je pense que l'initiative est louable et je ne peux que vous accompagner, si c'est possible, dans la mesure de mes moyens. Merci. Merci beaucoup, professeur Mulatrice. Okay. Donc, merci de nous avoir suivis et à bientôt sur les ondes d'Alta TV. Thank you.